J'ai failli tout casser. Bon, comme d'hab, quoi. Ça m'a l'air bon. Attendez. Non, c'est bon. Ok, donc salut à tous. Le mec. Donc salut à tous et à toutes, c'est Moline de PS511. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4. Et j'ai une mémoire de poisson rouge, genre. Même si je suis dessiné sur le jeu de poisson, on l'a fait. Donc on se retrouve pour l'épisode 4 de Super Mario Galaxy 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans le dernier épisode, on avait ouvert un portail vers le deuxième monde. Et on avait commencé à chercher les étoiles des premiers mondes. Mais avant de continuer le deuxième monde, il y avait le petit singe là qu'on avait croisé avec les lunettes de soleil qui nous avait invité à faire une course ici. Et c'est une troisième étoile. Et ouais. Et ouais, ouais, ouais. Du rififi sur les terrasses. Défi. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça a l'air chiant. Quoi, faut tuer un maximum d'ennemis? Ah, t'es là! Je t'avais pas vu. Yo man, c'est moi Billy Madden! Je sais, j'ai l'air un peu space. Bon, tu me diras, toi avec ta moustache. Bref, je détiens le record ébouriffant de 10 000 points dans ce jeu. Un bon jeu, man. C'est un jeu pas compliqué, vu? Alors voilà, il suffit de taper ou d'écraser l'ennemi et de ramasser les pièces pour marquer des points. C'est égal ou dépasse mon record, tu gagnes une de ces précieuses étoiles. Et tout le monde respecte. Alors, tu relèves le défi, man? J'avais donné un petit truc comme ça, genre ouais. T'as marqué 10 000 points, bonne chance, même t'en auras besoin. Regardez, je le sens. Je le sens pas là. J'essaie de faire mes... Ah merde! Mais putain Mario! Mais je vois rien aussi les mecs, vous êtes drôles. Mario, t'es sérieux? Ça commence à devenir chaud là. Yes! C'est bon! Record! Bim! Qu'est-ce que tu vas faire? Merde. Putain, je crois que j'allais mourir. C'est en train de me chier dessus là, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que tu vas faire, man? Ah, il est toujours vivant lui. Alors? Ouais, 10 000. C'est pas miraculeux. Tu voudrais pas retenter ta chance par hasard? Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, mon petit? Mais... Et voilà, bim! La classe! 10 150 points! T'es un sacré adversaire! Aussi bon que moi! Tiens, voilà ton étoile. J'allais donner un petit accent, genre, yeah, comment ça va? Mais... Je sais plus, ouais. C'est un peu raciste. Non, je rigole. Non, c'est pas un accent raciste, mais... Mais bon, je notais ça. C'est n'importe quoi. Wouah! Et hop. Donc, yeah. Galaxie terminée. Ah, carrément. Et une vie. Allez, go. On sort là. Amateur de singe. On partage, c'est juste à côté. Voilà, donc dans l'ancienne zone, on avait fait ça. Et ça. Et on avait débloqué ceci. Je vous avoue, je suis bien tenté de commencer par ça. Oh, allez, printemps éternel. Parce que j'ai donné à manger à Souma Frouluma et j'ai envie d'essayer. Abeille et merveille. Ouh.
Nous allons retrouver le costume à l'ail. Serait-ce possible? Oui, oui, la preuve. La preuve dans l'image. Le retour des abeilles. Ça faisait longtemps. Ah, il est tout seul. Des fleurs partout. Bim. Oui, mon jouet préféré. Oui. Non, je sais pas. Je sais pas, je suis descendu là, mais... Donc... Hop, j'ai quand même eu chaud pour le jeu du singe, on va pas se mentir. Vous êtes devenu Mario Abeille. Non mais je me souviens... Je me souviens comment jouer, Coco. Alors, ne surtout pas toucher l'eau. Je dis ce qu'il ne faut pas faire et je le fais, c'est bien quand même. Non, y'a rien. Hop. Zion. Vous savez le bruit chiant que vous entendez quand il y a bah, une abeille. Ok, ça va, c'est pas compliqué. Olé! Ok, donc c'est bon, on a la pièce gommette. Je fais pousser des fleurs partout. C'est trop mignon. Oui! Hop là! Ah, mais toi, juste derrière, je... Quel bonheur d'être une abeille! Oula. Oula, attendez. Bon. J'entends un vortex. J'entends un vortex! Je sais pas si ça avait quelque chose, mais bon. J'en étais sûr. Wouah, j'ai chaud là! Chaud aux fesses avec cette tenue débile là. Allez, 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 allez. Oui. Bang, bang. Arrête, mais putain. Mais putain, Mario, mais arrête-toi. Sérieusement. Oui, ça va, je sais que je suis en allant point à la ferme. Ça devient très chiant. L'épice. Ok. Bon, moi si je meurs, j'ai un checkpoint. C'est pas mal. Oh, vous êtes mignon. Non, lâche. Lâche ce truc! Mario le suicidaire. Vous êtes extrêmement chiant. Hop. Hop là. Ok. Oui. Mon objet préféré. La balançoire. J'adore ce truc. Oui. Je suis un vrai gamin. Oui. Et hop. Je veux la même chose dans mon jardin. Oh, attendez. Yop. Yop. Placement produit. Non, j'ai... Je devrais pas dire ça, sinon il y a des gens qui vont vraiment le croire. Bref. Viens là, viens là, viens là, mon copain. Viens là, ma petite balançoire. Oui. Mais toi, là, mais t'es là-bas, j'ai l'impression qu'on s'éloigne, là. Fuck, 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 bon. Qu'est-ce que c'est que ça va faire? S'il y a des trucs chelous dans la galaxie. Et le problème avec le costume abeille, c'est que c'est très très lent. Et, ah d'accord. Ça, c'est un petit peu chiant. Hop.
pas se mentir. Mais lâchez-moi! Arrêtez d'essayer d'agresser une pauvre petite abeille. Oh là, j'ai remarqué que c'est des fleurs qui essaient de me bouffer. Bon. Allez. Hop. Hop. Vers le petit nuage. Hop là. Ne me touche pas, toi. J'entends l'étoile. Ah bah. What? Bah. Et l'étoile là-bas? Regardez là-bas. Et une autre étoile là-bas. C'est peut-être la deuxième, bon bah ok. On va récupérer celle-là, hein, c'est la plus proche. Il y avait une étoile sous un arbre, mais comment on y va? C'est une bonne question, très cher. Très bonne question. Le mec, je suis perplexe. Je sais plus. Ah ouais, d'accord. C'est une espèce de petit raccourci. Donc on va aller débloquer ça. Tant qu'on y est. Hein. Ah ok, d'accord. Citadelle sinistre de Bowser. Ouais, c'est une étoile cachée, il faut l'atteindre. Ok. Ça a l'air chiant. Bref, on va commencer ça à mine d'étoiles, parce que c'est une planète qui est juste avant. Il faudrait peut-être la faire avant. Et ça a l'air sympa en plus. Tatou boule des boules. Je crois qu'il y a un boss. Ah oui! La transformation rocher, oui! Une des nouvelles, hein, avec la transformation nuage. Nuage, hein, pas de nuage, merci. Alors, lequel d'entre vous possède la clé? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi non plus, bien évidemment, c'est le dernier! Non, c'est pas drôle. Ou alors faut les tous les aiguiller. Vous êtes devenu Mario de pierre. Alors attendez, je sais que ça. Bim. Ça se casse. Et voilà. Ah, un panneau. Il ne remonte pas sur les panneaux, Mario. Ouais. Quoi? Appuie sur C pour. Attends, quoi? Ça a l'air intéressant. Quoi? Appuie sur C sur ton jeu pour recentrer la caméra derrière toi. Ah d'accord, ok. Hop là, allons-y. Bim. Bim, on va pas tout gazer comme ça parce que sinon. Allez, hop. Ah, j'ai pas fait le strike, j'ai oublié qu'il y avait ça d'ailleurs. Je peux en dire. Bim. Alors. Oh shit! Faut faire gaffe parce que sinon on peut tomber. C'est sadique ça les mecs. Non! Mais putain! C'est dégueulasse! Non, 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 non! Saleté d'ennemi! J'ai chauffé ça! Bref, on va aller détruire le dernier rocher. Si mesdames et messieurs veulent bien nous laisser le faire. Faut aiguiller tout le monde? Sérieux? Tiens! Ok, d'accord, on s'est entretués, très bien. Tout va bien dans le monde de Mario. Toi, tu meurs. Hein. Ça suffit les conneries. Je vais te défoncer! Bim! Non, je crois que j'allais tomber dans le vide là. Ok, je perds la transformation. Très bien! Les chaumes! On peut encore s'ennuyer tout le monde quand même! Est-ce que je peux les tuer, vous croyez? Non, c'est bien ce que je me pensais, il me paraît que je suis trop gros. Que veux-tu? Bonjour. Si tu es en mauvaise posture, tire sur le point d'eau. Oui, ça je sais. Ouais, je sais, t'inquiète. Merde. Je suis empêtré dans la boue.
Bonjour, y'a un boss, c'est moi qui suis passé. Mais non, ça va aller. J'ai pas besoin de tes champignons, j'ai pas besoin de tes drogues pour gagner. Ouais, c'est ça. Bonjour. Allez, ma transformation. Allez, là. Alors, faut lui arriver dans les fesses. Je sais pas ce qu'a Nintendo avec les fesses ces temps-ci, mais ils aiment bien ça. Bim! Dans tes fesses! Je suis un drôle de bruit, je trouve. Olé! Il fait un bruit de tondeuse! C'est fou, ces boss qui font des bruits, ils émitent les trains comme le big boss de l'ancien village. Ouh, les tondeuses! Bim! Ah, pas trois coups, toi. Ah, d'accord, je me disais, sinon c'est trop simple. Il y en a qui fait des demi-tours, elle fait des dérapages. Hop là! Ah, il est sympa ce boss. Bim! Très simple, mais sympa. On tue tout ce qui existe dans la galaxie, quand même. C'est un peu fou. Mario, c'est l'éradiqueur, en fait. Il bute tout ce qu'il veut. À part les lumas, bien évidemment. Seule exception. Et les Toads, mais bon, les Toads, ils viennent de sa planète, donc il va pas les tuer, hein. J'espère que j'aurai assez de mémoire, parce que là, je regarde, et là, ça me fait peur. Le mec, tu sais. Blablabla, bla, 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 bla. Allez. Yeah. Cette fois, t'as ramené une pierre. Waouh, impressionnant, petit mousse. T'as dû chercher longtemps, dis-moi. Franchement, s'encombrer de tous ces trucs inutiles, ça me dépasse. Mais tu ne connais pas le côté artistique de la chose. Ouais, ouais, je me fous de la gueule des gens, ouais. Bref, d'accord, merci Mario, c'était ça. Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Récompense, si tu as trouvé l'étoile de la galaxie du printemps éternel, tu as réussi là où nous avons échoué. Une telle prouesse mérite une récompense. Accepte donc cette vie signée les abeilles émerveillées. D'accord. Les abeilles sont tes amis. Les insectes sont nos amis. Pardon. Ah, y'a pas de deuxième étoile? Ok, bon. On va faire celui-là parce que je sais très bien ce que c'est. Araplane tropicale. Je sais très bien ce que c'est. Donc on va le faire. Araplane prend son envol. I believe I can fly, comme j'en ai rappelé de répéter depuis le début de ce let's play. Je suis chiant avec ça, sérieusement. Oh mon dieu, des oiseaux! Avec des gros becs. Et des têtes en forme d'hamburger. Oui, j'ai faim. Hello. Araplane est très timide, il ne vole pas très bien. Pas très bien. Mais il veut bien voler avec toi, Vénard, Vénard, tu vas pouvoir planer. Si tu veux planer avec Araplane, nous on veut bien t'apprendre, Yarker. Ouais, non, quand même. Planer, planer, planer. Alors, ok. Franchis le portail en forme de soleil au bout de la forêt, tu as gagné, mais ce sera dur, dur, dur. Passage, je te fais plaisir. Alors, il faut passer à travers toutes les portes, je crois, pour avoir la pièce gommette. À travers toutes les portes qui sont là, bien évidemment. Et encore, celui-là, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Je vous le dis, là. Ok. On s'en fout des ballons, c'est juste pour... Pourquoi en fait? Je sais même pas pourquoi c'est. La musique est très sympa en tout cas. Oh merde. Remonte! Droite ou gauche? Bon bah on est parti à droite, hein, on y va.
J'espère que c'est la dernière porte, hein. Yes, c'est bon. Ah, c'est pour les fragments, d'accord. Oui, du premier coup, et en plus j'ai réussi à avoir la pièce gommette. Ça, c'est cool. Bravo, tu as plané comme un pro. Même un raplan a l'air heureux, Yark. Tiens, prends cette étoile, merci. Et vous avez tous des étoiles dans vos poches ou quoi, sérieusement? C'est quoi la prochaine étoile? Non, j'ai rien à dire. C'est quoi la prochaine étape? Je vais recevoir une étoile par la poste. Ça serait comique, ça, tu sais. Merci de nous avoir aidés. Tiens, en remerciement, nous t'envoyons une étoile. Oui, on a réussi à la foutre dans une lettre, ouais. Ouais, ça te pose un blé. On était fous, nous. Oh, yeah. Yeah. C'est cool. Une pièce. Waouh. C'est cool, avec ça, je peux m'acheter une baguette de pain. Voyons le côté pratique des choses. Bon, on va aller faire ça. On s'étoiler. Ça paraît bizarre quand même qu'il n'y ait qu'une seule étoile dans la mine étoilée. Enfin, peut-être qu'après, il y a une gommette qui va arriver ou une étoile. Une autre étoile, je sais pas. L'énigme des cascades jumelles. Oui, il faut les geler. Je me souviens de celui-là. Oh mon dieu, le pingouin qui a un cheveu sur la langue. Un cheveu sur la chambre. J'en raconte n'importe quoi. Enfin non, c'est pas vraiment n'importe quoi vu que c'est vrai. Bonjour. Oh mon dieu, le maître nageur. Un pingouin. Hey toi, bonjour. Tout le monde est à l'entraînement. On essaie d'améliorer nos techniques de natation. Voilà, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Vous nagez là-dedans? Oh, une carapace, j'en parle. C'est ce qu'il faut. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose au moins? Oula, attends. Ce qui est chiant avec ça, c'est que c'est un petit peu chiant de se diriger avec. La carapace fait de la lumière d'ailleurs, je trouve ça très comique. Oula, bonjour. Tout ça pour ça? Elle est où ma carapace? Je veux ma carapace, j'en ai rien à foutre. Je veux ma carapace. Ah bah y'en a une là. Hop là. Alors évitons de prendre les ennemis. Ce que je veux c'est que quand on freine, la carapace elle fait des feux rouges. C'est comme dans une vraie voiture. Ah, faut leur éclairer la tronche. Casse-toi, toi. Vas-y, tu me touches. Je trouve ça ridicule. Pourquoi vous refilez des pièces? Est-ce qu'il y a encore un... Je t'ai vu. Est-ce qu'il y a encore un délire des pièces? Et par contre, toi, je t'ai vu là-bas. T'es où? Merde, je l'avais vu. La pièce gommette. Je l'ai vu, du coin de l'œil. Il est où? Je suis... aveugle, complètement aveugle. Mais non, je suis pas aveugle, c'est juste là-bas. Voilà. Oui. Ok. It's a good. Je sais pas si on doit récupérer des pièces ou quelque chose parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. Le mec il se fait plus avoir. Merci de me faire atterrir juste à côté de l'endroit où je voulais aller. Non, là, plonge pas, Mario. Remonte. Mais hé, hey, mais qu'est-ce que tu fous, toi? Sérieux, ces conneries? Et logiquement, il y a un goinfre au noir avec des pièces. Youpi, il est gelé. Donc, c'est bien ça. Il fallait récupérer les pièces. J'aurais dû m'en douter. 15, non merci. J'en reviendrai, t'inquiète pas mon petit. Je ne t'inquiète pas. Oui, la ferme. Ah, vous êtes tous gelés comme des abrutis, tiens. C'est super classe quand on patine. Oui. On a déjà réussi à choper ça.
Il m'attronche ou quoi? Ah, attendez. Ah, bah si, attends. J'arrive! J'arrive, mon petit Luma. Là, c'est... Je nage, non. Je glisse avec une telle classe. Mon dieu. Ok. Tiens, bouge ma monnaie! Allez, hop, transformation en action, voilà. Pour ceux qui savent. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc, allons voir ça. Quel est donc ce délire? Bonjour. Oh non. Tu crois que tu peux m'attraper? Bon, oh non. Quand je l'ai vu, j'ai fait... Oh no. Tu savais, il y a des trous bien partout. Pourquoi les ennemis ne l'attaquent pas, lui? Pourquoi ils tombent pas dans le vide? Ah, oh, franchement, les lapins, ils sont chiants. Non, mais... Non, mais c'est une putain de blague, j'écrase un ennemi, puis il me fait sauter dans le vide, non, mais... Ah, oh, ça m'énerve quand ça t'arrive, ça. C'est quoi ce gros bouton bleu là? Qu'est-ce donc? Ah d'accord! En effet! Ce serait plus pratique! Viens là! Yes! En effet c'est plus pratique! C'est bon tu as gagné, tiens prends là ton étoile! Ta étoile? Il a dit ta étoile? Oui, c'est sûr quand je le hurle, ça va plus vite. J'avais même pas vu le bouton, je t'aurais. Quand je l'ai vu, j'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est que ce truc. À quoi sert-il? Fais-moi le malin, le lapin. Hein. Lapin tout pourri là. Je préfère les lapins de la terre parce que les lapins de l'espace sont très chiants. L'herbe tombe mon frère. C'est pas grave. Ah d'accord, ok. D'accord. J'ai récupéré une troisième étoile, c'était pas une étoile très prévue. Alors là, niveau mémoire, je commence à regarder et... C'est pas bon du tout. Oh attends, viens là toi. On va faire ça très rapidement, hein, vu qu'on sait ce qu'on doit faire. Ouais, là je vais manquer de mémoire, dommage. Ce sera un petit épisode d'une demi-heure, je pense. On finit ça, puis après on s'arrête. Parce que j'ai le temps, bien évidemment. Mais bon, ça devrait aller vite, du moins je l'espère. De toute façon, c'est pas long, hein. Du moins, j'espère. Ça fait 5 fois que je dis la même chose. Ah, on voit la planète ici. Lol. Ok, c'est là-bas. Attends, je comprends pourquoi il me donnait plein de pièces. Pas le dauphin mal. Hop, alors. On rejette l'eau. Oui, oui, la ferme. Ok, go. Ah, c'est du vent, la vache, j'entendais des bruits bizarres. Hop, 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 hop. T'es sérieux, Mario? T'es sérieux? Merci. Hop là. Oh. Les noix qui se foutent ta tronche, tu sais, elle est d'un côté, puis quand tu la libères, oh non, je vais aller de l'autre, tiens. Juste pour t'embêter. Ok. Bon, j'ai plus beaucoup de mémoire. Bon, ça fera une demi-heure de vidéo, c'est pas mal. J'aurais dû faire de la place. Bon, bah. De toute façon, c'est pas mal, hein. On a trouvé pas mal d'étoiles quand même. Yeah. T'as
déjà à 22 étoiles. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc attendez. Donc, là il y a une étoile cachée, là il n'y en a plus, là il y en a encore. Lol. Ok, donc pour le prochain épisode, on cherchera cette étoile, on essaiera d'atteindre l'étoile cachée, et on fera le citadel sinistre de Mother. Non, ça va, on a plutôt bien avancé. C'est pas trop mal. C'est pas mal du tout, du tout. Non, on va se mettre à côté du château, voilà. Bref, donc je vais m'arrêter avant que la caméra se coupe toute seule, parce que j'ai plus de mémoire. Donc on a bien avancé, pour le prochain épisode, on a déjà un bon planning. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode... Bah c'est l'épisode 5. Ah mon coup, ouais. Donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5 de Super Mario Galaxy 2. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les calculs, mais c'est le 5. Bref, allez. Salut et à la prochaine. Essayons de pas tout casser cette fois. Ça serait bien.